Franchement, j'en pleure de rire. Je vous dis que le marché, c'est pas gagné. Yes, no problem. Ouais. En fait, le monsieur qui essaye de nous aider, on lui dit, vous parlez un peu anglais. Il dit, oui, un peu. En fait, il s'est dit, bonjour. Bonjour, et tout droit, il s'est dit, il sait rien dire d'autre qu'en anglais. Et du coup, on va repartir. Le Bruno, il essaye de lui montrer sur la carte. J'ai suivi le messenger. Et le gars, lui dit, mais en fait, je suis pas d'ici. Mais bon. J'espère qu'elle arrête. La dernière fois que j'étais paumée, sinon c'était pas. Elle arrivait. On va pas y arriver. Tour de tour de ma terre, je te regarde. Tu danses sur un air de mise en garde. Ne pleure plus, je te tends la main. Ensemble, nous allons changer de ma terre, terre, mon ami. Dans cette nouvelle vidéo sur un super petit spot assez exceptionnel avec donc la Lobicar et les GN Trotters, et c'est vraiment sympa. Bon, on n'a pas trop le beau temps avec nous là aujourd'hui, on va vous montrer un petit peu le spot et on va sûrement bouger à la plage parce qu'ils annoncent de la pluie et on va prendre l'air. Et apparemment à 20 km, si on bouge juste de 20 km, on ne devrait pas attraper la pluie, et Bruno devrait arriver dans la journée. Et ben voilà, on se trouve un petit spot bien sympa, entre montagne, rivière. Apparemment, il y a un super beau lac aussi qu'on va aller voir. Ça a une belle petite balade à pied. Puis on est arrivé là, puis à l'entrée, il y a un gros panneau. Très sympa. On voit celui-là. C'est très sympa, on va vous le montrer, je pense qu'il y en a pas beaucoup. Quoique ici, on en a vu plusieurs, nous. Et on en trouve beaucoup en Bosnie aussi. Ça fait plaisir de voir ces choses-là. Et je pense qu'ils ont un petit peu tout compris aussi.
parce que les gens qui peuvent stationner consomment. Et encore plus gratuitement. Quand tu peux stationner gratuitement, bah oui, tu vas forcément plus dans les commerces. Ouais. Dans les restos et tout. Ah bah nous, plusieurs fois c'est arrivé, tu peux pas te garer ou c'est une somme. Il y a quand même beaucoup d'air en France qui sont déjà à 10-15 euros. Bah après, pour aller faire tes courses dans le petit centre, c'est déjà. Tu restes une nuit et voilà. Mmh. Ouais. Tu restes plus longtemps, tu consommes plus longtemps. Oui, voilà, c'est ça. Effectivement. Pour une petite balade. Ah, toujours les mêmes, hein, les meilleurs. Hein. Un petit peu là. Un petit peu là. Oh, on n'a pas parlé de toi, Arthur. Hein. On a parlé que de nous. C'est nous les meilleurs. D'ailleurs, peut-être les pousser dans le lac. Ça donne envie. Hein. Vu la couleur de l'eau, ça doit donner envie quand même. Elle est un peu fraîche apparemment. Il y a des foufous qui se sont baignés ce matin. Non mais sérieusement, Stéphane et Loïc, ils ont sauté dans l'eau là. À quoi, 8h ce matin, 7h ce matin, ils sont dingues. Mais ça met en forme, ça met en forme. Ah bah tu te débrouilles, hein, maillot de bain, serviette et tout, hein, toute la logistique. Hein. Ouais, des persistants. Le chien est là et que la personne elle a tendance à ramener son chien vers elle. Ouais. Alors là, il chiffle carrément. Je vais vous montrer 2-3 images de la source qu'on appelle le Blue Eyes. Et puis, pour pas que ça fasse doublon, parce que des fois, il y en a quelques-uns qui râlent parce que ça fait doublon, alors qu'on n'a pas les mêmes façons de filmer et de voir les choses. Donc c'est bien dommage parce que ça fait des points de vue différents. Et puis, je vais laisser Vinciane vous montrer ça sur la chaîne de la Lovicar Tribu. Voilà, je vous mets juste 2-3 photos. Thank you.
En fait, Noah, il a cru que c'était des sources chaudes, alors il y est allé franco direct dedans. On était en train de se dire que ici, quand ils t'annoncent des routes, c'est pas vraiment des routes. Là, ici, c'est une trois quarts de route. Et il y a un quart, c'est plus une route. Et les autres trois quarts, c'est une route. Il pleut mercredi ? Mardi. Partout en plus. Dans tous les cas, on prend la pluie demain. À part que ça change. Ça, on verra bien. Ah, il y a annoncé la pluie aujourd'hui, il fait que gris. Oui, après, on peut passer à travers. Hein. Passer à côté. J'espère que ça va faire la route. Hello, elle est au niveau de la route, ça c'est impressionnant. Ah, quasiment au niveau de la route. Oui, quasiment au niveau de la route. Bah, faut pas qu'il pleuve trop. Hein, parce que voilà, la rivière elle monte. Ça doit dépasser. Route, et là, ici de l'autre côté, là il y a la rivière. Bah, là, on devrait voir la rivière. Ah, on le voit là, les turquoises aussi là-bas. Les paysages sont beaux hein, de toute façon ici. Oui. Hein, c'est, après c'est montagneux en fait, c'est paysages de montagne, c'est toujours beau hein, les paysages de montagne. Mais c'est froid. C'est à ça. Oh quoi que ça là, il fait pas si froid que ça, hein, honnêtement. 14 degrés, là. Ouais. Pourtant il fait gris. Mais... J'irai peut-être pas jusqu'en short moi, mais je trouve qu'il fait pas. Il fait plus doux qu'en Turquie. Pourtant on est plus haut paradoxalement. Ouais mais... Plus le climat méditerranéen. Je sais pas. Ouais, les cartes à mon avis. Oh, on passe le pont là. Non. Les cartes à mon avis elles sont erronées. Les planisphères ils sont erronées. Eh vous avez vu le pont à gauche? C'est le canal. Regardez le pont à gauche, on dirait le canal. Oui, à gauche, ouais. Ah, je sais pas si vous allez voir, je sais pas si je peux zoomer là. Dépêche-toi, toi. Là, vous voyez là? J'ai l'impression que c'est le canal. Ça ressemble à. Ça ressemble à un. Ben, comment on appelle à un pont. Bah, un aqueduc moderne alors. Heureusement qu'on est passé devant, ils sont tous partis faire des courses. Mais là, le spot qui nous est annoncé. Là, la route là. Ben, là, c'est mort. Hein. Et... Il y a des coins, le départ GG, ça passe. Bon, Bélix, c'est mort. Et même en étant joueur, c'est mort. Et puis là, c'est mort maintenant, même GG. Il y a des coins, il y a vraiment des creux en fait. Donc là, sur les creux, ils vont toucher. C'est... Non, c'est pas futé. La piste est sympa. Une belle petite piste. Hein. C'est sympa, mais pour le spot, ça ne va pas être possible. Le spot, c'est pareil pour prévu. Et le bout de piste que vous voyez qui revenait, je crois qu'il existe. Ah, bah c'est peut-être la grande piste qu'on voit en bas, mais alors qu'il ne doit plus exister alors. Ah, si, là, il y a un bout de piste. Après, c'est. Joli. Le spot, il est là en fait. Il est ici le parking. Ouais, le parking de voitures. Bon, on va aller jusqu'au parking de voitures. Mais on va essayer de trouver un autre spot parce que. Ah, bah là, c'est clair, c'est mort. Hein. Alors, si vous voyez des trucs comme ça, les gosses, vous y allez pas. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Parce que là, ça peut se casser la gueule. Ah, oui, dans les grottes là. Avec les pierres plates comme ça, empilées les unes sur les autres, vous y allez pas. Bon, bah, on fait un petit jeu. Oh, la flotte, oh, c'est beau. Belle. Oh, il est belle. Bon, c'est beau. Alors moi c'est le genre de piste où je suis jamais tranquille, j'ai toujours peur que le que le 4x4 il freine pas ou j'étais quand même plus rassurée sur le camion où on avait plus de système de freinage. Oh, c'est vraiment fou. C'est trop joli. C'est mort. C'est clair. C'est mort de chez moi.
Eh, je sais pas où il est leur parking. Non, mais... bah, je le vois, il est en bas. Et c'est bizarre, et les gens ils prennent la route là, il n'y a pas d'autre route. Ouais, non. Trop bizarre. Ça arrive en bord de falaise. Oh, bon, on peut pas les laisser s'aventurer là-dedans. Hein. Ouais, non, non, faut trouver un truc où ils peuvent aller parce non, que. Non, c'est PVO avec le sprinter, ça va. Oui, oui, oui. Alors, on va reprendre la grosse piste et puis on va descendre un peu plus. On va aller voir si. On se réentraîne parce qu'après, entre on a dit Saranda et Vloré, on a une piste qui traverse tout loin. À 40 km de piste, je crois. Même pour remonter, si. Oh bah ouais, c'est mort. Hein. Même pour filmer, c'est compliqué. Ouais, c'est une fonction de construction. Bon, bah ici, c'est pas possible. Donc, on va aller trouver un autre. Il nous a dit plus vers que 5000 apparemment. Alors Tiamu ou de l'autre côté, on va voir. Ils sont sympas des fois les GPS. Ils te font passer par des tricks. Tu dis ah ouais, ok d'accord. Ouais. Alors qu'il y avait une route je crois. Salut maman. Une copine vache. Ils se baladent partout les vaches ici. J'ai dit à Yoyo, il y a un super soleil, il est pas d'accord. Bah non, pas super soleil, on peut pas dire que c'est un super soleil. Et il est éblouissant. Bah, mais s'il fait tout blanc, c'est dégueulasse. C'est pas terrible aujourd'hui le temps. Demain il pleut, c'est pire. Bah ouais, mais bon, on est encore en hiver, encore un peu quoi. Bon. Ouais, faut qu'on tire encore 15 petits non, jours. Demain, pense, ça devrait, non, demain ça devrait aller. C'est, Par contre, il fait pas froid, hein, vraiment. C'est mardi, vous annonce un peu de pluie, mais bon, ça se trouve, on va passer à côté. Ça serait bien. Donc on verra bien, après l'hiver est pas fini. Tant que c'est qu'une journée, ça va quoi. Ah non, c'est pas celui-là le bateau. On dormira. Et puis... On va hiberner. Ah, tiens, ils sont gars. Eh, c'est lui qui nous a doublé tout à l'heure. Il s'arrête au milieu, regarde, il s'arrête, il fume la clope, adieu. Adieu. Il s'arrête au milieu, il fume la cigarette, trop bien, on s'en va les couilles. C'est l'Albanie, quoi. Il s'arrête au milieu, quoi. Là, il y a un point de vue. Quand il y a un appareil photo, il y a du panoramique. Ah, vous verrez pas grand-chose avec le voile blanc qu'il y a. Du panoramique. Ah, on a vu le bateau de Grimaldi. Oui. Un Saranda qui fume encore. Ouais. On a vu ça. Les spots nature là, c'était sur. C'est 4x4 quoi. Honnêtement, les camping-cars ils descendent pas. Hein. Ou alors ils descendent mais ils remontent pas. Ou alors c'est parce que c'était l'hiver et l'eau elle a raviné. Et... Ah, peut-être qu'ils le mettent en état à l'été. Mais ils ont pas refait le chemin, mais là, camping-car tu descends pas. Hein. On en a quand même pris. Enfin, si tu descends, tu descends toujours. Pour remonter par contre. On a quand même pris 4 et sur enfin, les 4, il y en avait pas un seul qui était pas 4x4. Donc... Ah là, par contre, je pense qu'il y a de la profondeur, du coup, on va y aller vraiment doucement. Ouais, il faudrait pas qu'on reste coincé. J'ai peur que ça passe pas. Bon. Bah, jusque là, ça passe, hein. C'est pour GG ou Bélix, là, jusque là, ça passe. C'est marrant quand t'as toute la pression. Quand toi, on pose sur toi, de dire attends, ça passe ou ça passe pas. Bon, là, pour l'instant, ça passe. C'est pas. C'est de la piste, route, mais ça passe. Oui, mais là, ça passe. Ouais, faut voir ce qu'on veut. Hein. Si on veut le calme ou si on veut... Est-ce qu'on veut du spot nature ou pas, hein. Après, nature ici, 100% nature, à part dans la montagne... Ouais, il y a toujours du monde ici. Ouais, ah. Là, il y a des chèvres. Et piquette, ouais, il y a toujours soit un restaurant, soit une habitation. Soit là, il y a une grosse flaque. Bon, après, ce qu'ils ont fait, ils peuvent passer dans les flaques. En plus, c'est dur en dessous, donc. Ouais, c'est le caillou, c'est moitié route, moitié piste. Oh, Liquette. Oui, en fait, on sait pas trop si c'est une route ou une piste ici. Ouais, ça doit être une piste qui s'est transformée en route, mais qui redevient piste en fait. Excusez-nous les biquettes. Excusez-nous de vous demander pardon. Ah, du coup, j'ai pas filmé, mais on arrive au bout
Et il y a une route là. Ouais, mais elle va là-bas en fait. Ah. Et là, il y a une route. Et comment ils sont été au fond les autres? Bah, c'est la place au milieu en fait. Ah. Non, on se croirait à Chirali. Hein? Ouais, ouais. Ouais, comme à Chirali, c'est un peu pareil. Non, on est au milieu des restos. Hein. Putain, là. On va aller voir là-bas. Ouais. Restaurant sur le parking. Ah, si, mais ça va là. Non? Je sais pas. Ouais, je ne tourne pas là. Ah, mais. Elle est là, même que j'ai avec la foule. Ou alors on la détale et tu fais demi-tour avec le 4x4, mais je dirais que tu ne feras pas demi-tour. Bon, bah là-bas, il y avait peut-être quelque chose, mais il y a des pneus, donc on peut pas passer. Ça y est, il y a la Lovicar et les GN Trotters qui arrivent. Donc, je vais aller filmer l'arrivée sur la piste qui devient de la route. What am I? GG le plus beau de tous les GG. Même temps, il n'y a pas 50 000 GG. Hein. Ben si, t'es là. Je t'ai confondu avec un buisson. T'as confondu avec un buisson. Donc bon, avec des petits légumes et tout ça, et on lui dit ah t'as besoin d'aide et tout. Bah non, c'est Steph qui va le faire. Du coup, sinon ça va être grillé, ça va être cuit. Oui, c'est à plusieurs. Non, ce que je vais faire, c'est moi je sers de comment dire de commis. Voilà, je vais. Ah pousser, voilà. Ah vais... c'est oui. Voilà. Et puis. Dîner alors. Donc. Cuisinier. Ça vient deux secondes. Mais... Ah, pour le menu, s'il vous plaît, monsieur. Là, le cuistot, tiens. Alors là, ça y est, on est installé sur notre petit spot, là. Je pense qu'on va rester au moins 2-3 nuits ici, tranquille. Et puis, on attend Bruno, qui devrait arriver de nuit. Ah, voilà. La famille gauloise est arrivée. Ils viennent juste d'arriver à l'instant, là. Après le petit repas préparé avec amour de Véro et Steph. Enlève la boîte. Enlève la boîte. Bruno et Sab. La boîte. C'est mort. Bruno et Sab essayent de nous faire un camembert. Bah laisse-le encore un peu. Ouais. Vous voulez pas refaire un peu de braise? Non, ça chauffe. Ouais. Là, t'en as plein là. Bon, bah, encore une belle brochette ce soir. C'est pas des brochettes, c'est des saucisses. Toi, t'as décidé de me contredire. Bah, tu parles de brochette. Pas de brochette. Ah, bah, je te parle plus. Voilà. Je regarde le feu. Non, y a pas t'approcher, toi non plus. Vinciane, elle nous a quand même habitués à mieux que ça. Non, mais hé, regardez. Non, mais c'est pas. Qui veut du flan? Oh là là. J'ai besoin de 200 vues. Non? Bah, je vais pas dire chacun. Moi du coup. Bon, il faut aller voir la vidéo de Bruno là parce que il est en train de faire du racolage là. Ah, mais non, mais au moment où tu sortiras la vidéo. Oui, bah ils iront voir la nouvelle. Bonjour, truc. Le genre de truc, c'était ton flan?
Une belle journée, bien grise. On n'a pas la pluie. C'est déjà bien. Je pense que j'ai la tête un peu fatiguée. Noah a fait un réveil à minuit. Comme si, coucou, ça y est, il fait jour, il est l'heure de se lever. Il s'est rendormi à 5h30 ce matin. Génial. Du coup, là c'est dur. 2h, petite nuit de 2h, c'était sympa. Ah, ici il y a réunion de crise. Ils ont ramené en Turquie. Je vais passer au milieu. Donc le temps qui. Ah, ouais. Le temps qui se met. Allez. Ça, c'est le café. Vous êtes au café GG. En terrasse vue sur la mer. Par contre, ça fait un petit peu. Que des hommes assis sur des chaises. C'est bizarre cette histoire, il y a même des stores. Les femmes enfermées dedans. Ça fait bizarre le café GG. Que des hommes assis face à la mer. T'es privé de sortie. C'est une honte. Non, ils sont bien. En fait, t'es tranquille. Il t'appelait Doudou là. Oui, il arrête pas. Il arrête pas en ce moment. Vous allez vous calmer les deux. Allez, Jamila, les deux. Allez, viens boire le café. C'est leur truc, en fait, lui fait la même. Vous êtes donné le mot ou quoi? Et Doudou. En fait, on voit l'évolution de région. C'est-à-dire qu'on a la Normandie short t-shirt. On a le côté un peu breton, pull et short. C'est bon, ça. Et on a le côté du sud, pantalon, pull et veste. Ce matin, on s'est baigné. Non, hein? Vous êtes baigné encore? Ouais, c'est baigné. Une fois dans la rivière et puis une fois dans la mer. Au réveil. Au réveil. C'est des grands malades. Ils se font... Ça y est. C'est un carré, la personne. Alors maintenant, ils sont partis en mode complotiste, là. On était là, comment tu voulais qu'il y ait pas du bouchon là? Tu sais, c'est des boules là, tu sais, qui ont plein de facettes là. Ah ouais. Ouais, c'est des boules à facettes. C'est ça, ouais. Bon, on est sur la bonne face. C'est maille des fractures. Ah, on est plus chaud en Albanie qu'en Turquie, c'est pas normal. On est plus au nord. Et on a plus chaud, c'est pas normal. Ouais. Non, moi, je dis. On nous ment. Non, non, ne dis pas tout. On nous dit pas tout. Ouais, c'est comme ça. Hop, là, est-ce qu'on voit tout le monde? Ah, pas loin là, si je me mets comme ça, je pense qu'on voit tout le monde. Hier soir, Sab et Bruno sont arrivés de nuit, et parce que vous avez pu voir, hein, mais on voit très peu. Donc on a les GN Trotters, le Gaulois, le Vicar, et dans la direction générale de là, nous. On est sur un petit coin un peu sympa là. Vous allez voir, il y a la montagne derrière. Donc ça, c'est au bout de la piste que vous avez pu voir. Et on est au milieu des restaurants. Puis je vais essayer de... On va aller jusqu'à la plage là-bas. Puis je vais vous montrer un petit peu le coin. Ici, il y a un petit bâtiment qui semble un peu à l'abandon. Nous, on s'est calé entre les bâtiments là, du market et ce bâtiment abandonné, comme ça nous coupe le vent s'il y en a. Et là-bas, il y a un couple de Français aussi dont je vais vous mettre la chaîne YouTube. Vous pourrez aller voir ce qu'ils font. Ils font des bilans un petit peu sur les pays qu'ils ont traversés. Donc je vais vous mettre la chaîne là-haut, ici par là, et puis vous pourrez aller voir leur chaîne. Marché là, Sab et Bruno ils prennent la moto et puis moi je prends Vinciane, Véro et Steph. Et Loïc et Yo-Yo ils gardent les gosses, ça va leur faire les pieds. Quoi? Moi je garde les gosses? Moi les gosses? Allô, terminé. Et hop là. Non, ils se gardent tout seul les grands là. Il y a le petit hein. Bon, on va commencer par celui-là déjà, à noyer. On cherche le marché. Mais. Je l'ai, regarde. On sait pas où il est. Farmer Market.
Farmer Master. C'est bien les galères, hein. Et après les galères, après les randos gauloises, vous savez, les marchés itinéraires. Bon, Véro a peut-être trouvé. C'est à Corfou. Véro veut nous emmener à Corfou. Ah. Et on prend un bateau Grimaldi. Avec de l'élan, c'est Grimaldi. <allez. rire> Non, non, c'était horrible. Avoir du poisson fumé. C'est horrible. On peut rire de tout, mais pas avec la soupe dans la bouche. Si elle a dit que c'est au port, c'est. Elle a dit non, elle a dit vers le port. Mais sinon, on peut tourner un peu en bécane, puis si on trouve, on vous envoie un message. Hein. On va demander à quelqu'un. Hein. Moi, je crois qu'il faut qu'on demande. Pour le favor. Pour le favor. Dans le magasin, là, je suis allé voir. Per Chum. Yassas. Ah non. Per Chum d'Étier. Per Chum d'Étier. Ouais. Ouais, mais surtout l'albanais. Alors attends, ouais, comment on dit grec, anglais, anglais, italien. Ici, parce que c'est touristique. Ouais. Quand tu vas être sorti de ta zone touristique, c'est fini, hein. Ils parlent même pas anglais, hein. À la rigueur, italien. C'est normal. Quoi? On va fermer. Hello. Do you speak English? Little. Where is market place? Market place. Tiens. Market. C'est dommage. Elle est fermée. Regarde, elle est fermée. Ça va bien marcher. C'est devant la photo du marché. Alors, Wafiane, attends, parce que hier, tu t'es foutu de moi. Ah non, non. Je vais te mais dire que je voulais pas abîmer. Et du coup, elle comprend pas parce que la porte, elle s'ouvre pas, mais elle avait fermé la porte à clé. Bah oui, j'ai dû appuyer dessus. On a... Bah non, mais non, tout est fermé. Il va traduire marché. Ça sera pas bon. Tu nous enfermes dans ta voiture. Au cas où on va y s'enfuir quand elle conduit. Non, non, c'est pas ça. Ça c'est Mariette. Non. Franchement, j'en pleure de rire. Je vous dis que le marché, c'est pas gagné. Yes, no problem. Ouais. Non, en fait, le monsieur qui essaye de nous aider, il lui dit vous parlez un peu anglais. Il dit oui un peu. En fait, il s'est dit bonjour. Bonjour, et tout droit, il s'est dit. Mais il sait rien dire d'autre qu'en anglais. Et du coup, on va repartir. Le Bruno, il essaye de lui montrer sur la carte. J'ai su le message. Et le gars lui dit mais en fait, je suis pas d'ici. Mais bon. J'espère qu'elle arrête. La dernière fois que j'étais paumée, sinon c'était pas. Elle arrive. On va pas y arriver. Tu vas voir par là, toi. Nous, on va aller voir par là. Je l'ai. Wow. Super. Local. Oh Marquette. Hein. Ah bah elle l'a, Vinciane. Je l'ai. Donc en effet, il faut repartir. Il faut sortir du port et c'est là, en fait, il fallait aller tout droit. Mais on peut pas y aller, ça s'interdit. Oui, bah. Non, mais... Moi, je trouve des solutions. Après, si t'as décidé de trouver chaque problème à chaque solution. Ah, le GPS, il va tomber. Mais y'a un sens interdit. Ah, mais fais le tour. Tu peux faire. Bon, bah, vas-y, mais on y va. Attends, moto, itinéraire. Comme ça. Elle, 4x4. Hey, c'est bon, on est garé. Oh, on a tourné 3 heures. 3 heures pour trouver le marché. Bon, on l'a trouvé. Et pour se garer, on a fait comme eux, en mode simple. Quoi? C'est vrai? On s'est garé en mode simple? Ils sont pas d'accord. Alors on est dans le petit marché, on l'a enfin trouvé. Et c'est vraiment super, les gens ils sont hyper contents de nous voir, hein, franchement. Et il y a plein de choses, du miel à la mandarine. C'est trop bon. Ça j'avais jamais goûté et c'est trop bon. C'est on va faire le tour et vous montrer un petit peu. Et moi je vais reprendre des noix parce que les noix elles sont à tomber. Ah ouais, elles sont trop bonnes. C'est vrai qu'elles sont à tomber. Et c'est des noix d'ici en plus. Ouais, ouais, c'est d'ici, ouais. Ah bah oui. Ça m'a trop fait drôle. Là. Elle est où ma copine? Elle est venue chercher, tu m'as pas entendu crier au secours? Non? Ah, mais je pouvais plus parler, j'avais trop d'olives dans la bouche, la dame, elle voulait me faire une bouche. Désolée, j'y arrivais même pas à sortir. Bah, Véro, elle s'est fait un petit apéro! En douce! Tu sais, sans vous le dire! Comment tu. Comment non, tu te fais avoir là? Ah, mais je me suis fait avoir, mais comme une bleue. En plus, il me dit raki, moi je savais pas ce que c'était le raki. Je croyais. Mais non, je croyais que c'était du. Mais il voulait me faire goûter du miel comme l'autre dame. Et en fait, j'y suis allée franco. Mais le problème, c'est que là. Moi qui bois pas. Ah bah là. De fou. Allez, un petit tour au marchand de poissons. Pour acheter des petites crevettes. Bonne petite crevette.
On sort du marché, on va aller poser à la voiture parce que ça pèse. Mais les gens ils sont mais tellement gentils, c'est un truc de fou. En fait, je crois qu'il n'y a pas un étalage où on n'a pas acheté quelque chose qui nous a donné autre chose. Enfin, c'est tellement gentil. Enfin, tu goûtes tout, tu. Ouais. Après, c'est bon. Du coup, non, mais c'est bon, ça. Ah bah. Du fond a été insistant. Ah, merci. Voilà, sauvez Vinciane. Ah oui, voilà, les gars. Et ouais, ils nous ont donné plein de trucs. Et il y a Lily, elle vient me voir, elle me dit oh, t'avais raison, ils m'ont donné des bananes, ils donnent aux enfants. Ah oui, mais ils adorent donner aux enfants et tout, ça leur fait tellement plaisir. Et la dame, elle m'a donné des plantes pour le chai. Et il y a une autre dame qui m'a donné. Ah, je sais plus ce qu'elle m'a donné. J'ai oublié, le nom ne vient pas. Bon, bref, ils nous ont donné plein de choses. Ils sont. C'est, on a essayé de faire un petit peu tous les stands, de donner un petit peu à chacun et tout ça. Ça aide tout le monde en fait. Et ils sont tellement gentils. Enfin, t'arrives dans cette ambiance. Alors, des fois, c'est un petit peu perturbant. C'est vrai que t'arrives, tout le monde te saute dessus. Et du coup, t'es là. Oulala! Et c'est perturbant, mais ils sont trop gentils. C'est trop fort. C'est une super bonne ambiance. Honnêtement, si vous connaissez pas l'Albanie, c'est à faire. Vraiment, c'est chouette. Il y a réunion de crise. Qu'est-ce qu'on fait demain? Alors, Bruno, il se laisse vivre? Ouais, moi je suis le mouvement. Donc, comme ça au moins. Comme ça au moins, c'est pas dur. Il saoule pas trop et là, ça va tranquille, hein, la vie. Hein. Ouais, bah, en même temps, il y a une potée de choux à finir demain. Hein. Ah, c'est vrai? Ouais, c'est ça. Il y a de la pêche, il y a un rechargement en eau dans la rivière. Ah, t'as mangé du chou, toi? Oh, bah dis, la journée, elle est, bon, bon. Ça y est, on est full. Ça y est, débordé. Oh, je suis débordé, moi. Le café le matin, réponds aux commentaires. Déjà, ouais. Il est déjà une heure de l'après-midi. C'est clair. Au nombre de commentaires auxquels il faut répondre, déjà, t'as passé la matinée. Boire une petite bière, il est déjà 16h. Faire ta vidéo. Le soleil se couche, bah du coup, apéro. 16h45. Le feu. C'est vrai que ça passe vite. Le feu. Ouais. Et voilà. Non, mais le soleil, il se couche super tôt, là. Ici, ouais. Mais t'as vu, on vous l'avait dit, hein. Ah ouais, c'est horrible. Moi, quand on est parti d'ici, je peux te dire, j'étais content de retrouver 2 heures de décalage. Ouais, c'est vrai. Ouais. Parce que t'es. Parce que quand on est parti. Parce que. Ah, puis nous, c'était sur. On est parti au mois de novembre. C'est ça, c'est en novembre. Octobre. Octobre, à 16h30, il faisait nuit. 4h30, fini. Ouais. Ah, j'ai dit, mais c'est pas possible. Ah ouais, ouais, à 16h30, il faisait nuit, ouais. Et ben moi, aujourd'hui, je n'ai rien fait. Mais rien du tout, j'ai même pas fait à manger. Si, si t'as fait à manger à midi. Ouais, bah tes enfants et tout. Ah bah non, pour Yo-Yo. Bah oui. Le gosse, il se débrouille. Et si, t'as quand même emmené tout le monde au marché. Ah oui, j'ai conduit en mode escargot. Bon, ça suffit, hein, les commentaires. Les écoutez pas, ils sont méchants. Impeccable. Comment? Vous auriez préféré qu'on y aille en mode smur? Moi, comme j'avais pas confiance, du coup j'ai pris la 125 quand même. Pour... Mais il a laissé sa gamine dans la voiture. Ah oui! Oui, oui, oui! D'ailleurs, hein, t'as pas confiance et. Depuis le temps qu'on essaye de perdre un gamin, on n'y arrive pas. Voilà. Ah, là, t'as misé sur le bon cheval là en même temps. Non, je comprends. On n'a pas réussi à le perdre. Tout à l'heure, j'envoie tous les gamins au bout de la digue là. Tu vois, ah ici, ouais! Sans lumière. Et puis, bah, faut toujours qu'il les rappelle. Il y a toujours quelqu'un qui les rappelle. C'est pas possible, hein. On n'arrivera pas en perdant. Hein. Oh merde. Trop chier. Hein. En même temps, il y a trop de gosses, là. Non, ça va. Vous... Non, mais vous êtes des petits joueurs. Vous savez pas comment on fait pour se reproduire. J'ai arrêté les dégâts quand il faut. C'est plus compliqué. Bah, il est moins con, il a coupé le tuyau. Voilà, bah, Yo-Yo aussi, hein. Bah, oui, c'est vrai. Bah, oui. Bah, tu rigoles ou quoi? Le troisième, c'est bon. Hein, ça non, mais arrive. Tu crois qu'on va dire que le mâle reproducteur ici, le c'est moi, c'est pas mal. Oh là là. S'il y a des bonnes femmes à reproduire ici, c'est nous alors. Bah, quoi? On va y aller. Nous, on fait de la poudre. C'est du tang. Alors, sur ce, on va couper la vidéo, hein. Donc, les femmes, si vous avez besoin d'un mâle reproducteur, faut pas aller voir ces deux-là. Hein. Ces deux-là, ils sont foutus. Hein. Ils sont foutus. Hein. Reste avec nous. Ouais, reste avec nous.
Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, on n'a pas fait grand chose cette semaine. Bon, on est allé au marché, on s'est perdu, c'était déjà un exploit. Non, on s'est trouvé un petit spot là, on est posé depuis 2 jours, on va faire une 3e journée, on bougera demain. Donc on est toujours voilà, avec les GN Trotters, le Gaulois et sa famille, Nomade, et la Lovicar, tribu. Et là, il y a un petit couple, comme je vous disais, de Français, qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Évasion... Je sais plus, je vais vous mettre ça. Et voilà. Demain, on devrait donc nous décoller pour les pistes. Et puis, on va vous montrer tout ça. Donc là, je vais vous faire un petit tour de plage. Et puis, on se dit à la prochaine vidéo. À bientôt.